Après la délibération au plan national ce samedi 8 juillet 2023, la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023, au plan départemental, est effective. Dans le Borgou, les différents acteurs du système éducatif se sont donné rendez-vous ce dimanche 9 juillet 2023 à la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle pour cette tradition. Nous avions comme inscrits au BPC 9563 candidats. Présents, 9503. Admissibles, 6779. Soit un pourcentage de 71,34. La plus forte moyenne à cet examen est de 18,37. Tous les candidats ayant obtenu le brevet d'études du premier cycle sont attendus dans les centres suivants. CG1 Kalalé, CG1 Pereré, CG1 Niki, CG Sinandé, CG Bembereke, CG1 Ndali, CG1 Chaourou. Les candidats qui ont composé au centre de composition de Albarika sont tous attendus au CG Albarika. Les candidats qui ont composé au CG Ubemaga sont attendus tous au CG Ubemaga. Les candidats qui ont composé au CG Titirou sont tous attendus le lundi au lycée Mathieu Bouquet. Les candidats qui ont composé au CG Guéman sont tous attendus le lundi au CG Zongo. Les candidats qui ont composé au lycée Mathieu Bouquet sont tous attendus le mardi au lycée Mathieu Bouquet. Et les candidats qui ont composé au CG Zongo sont tous attendus le mardi au CG Zongo. Après la délibération au plan départemental, quelques directeurs d'école expriment leur satisfaction vis-à-vis des résultats obtenus. La plupart des établissements autour des départements sont restés très serrés cette année. Cela montre que beaucoup de travail se fait au niveau de chaque établissement et personne n'a voulu se laisser compter ou être du reste, mais de façon globale, les résultats sont bons. Vous allez constater qu'au niveau de cette année, il y a très peu de redoublants au niveau des candidats. La plupart des candidats viennent de la classe de 4e. Une expression de joie. Et je vais dire que je suis très fier pour cette performance que je cherchais depuis des années. Mais Dieu a voulu, par le travail des apprenants et de nos collègues enseignants, parce que sans les enseignants dans les classes, on ne pourrait atteindre ce score. Nous n'avons pas démérité. C'est vrai qu'on a perdu la première place, mais je suis sûr et certain qu'on va revenir avec force les années à venir. Le BEPC est le diplôme qui sanctionne la fin du premier cycle dans le secondaire. Rappelons que les épreuves orales et sportives démarrent le lundi 10 juillet 2023 et prennent fin le mardi 11 juillet 2023.